Votre véhicule Acura est doté du système de dynamique intégrée, ou IDS. Il vous permet de modifier les caractéristiques dynamiques de votre véhicule en sélectionnant un des modes disponibles. Les modes IDS se gèrent à l'aide d'une touche montée près du sélecteur de vitesse. Le système inclut trois modes pré-réglés, confort, normal et sport. Si le véhicule en est équipé, vous pouvez également sélectionner un mode individuel qui vous permet de personnaliser les paramètres selon vos préférences et qui est lié à votre télécommande d'accès sans clé. Le mode confort maximise le confort du conducteur en minimisant l'effort requis pour tourner le volant. Si le véhicule possède l'équipement nécessaire, il réduit aussi la rigidité de roulement. Pour sélectionner ce mode, appuyez sur la touche jusqu'à ce que confort s'affiche à l'écran central. On sélectionne les modes normal et sport de la même manière. Le mode sélectionné s'affiche ensuite dans le coin inférieur droit du groupe d'instruments numériques. En mode confort, les indicateurs sont bleus. Le mode normal se caractérise par des réglages du véhicule équilibré pour la conduite de tous les jours et des indicateurs de couleur blanche. Le mode sport rend le véhicule plus réactif en modifiant les réglages de la direction et de l'accélérateur, ainsi que, le cas échéant, ceux des composants de suspension livrables. Ce mode amplifie également le son de l'échappement au moyen du système de contrôle actif du son et désactive le système d'arrêt du moteur au ralenti sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur la touche de désactivation. En mode sport, les indicateurs sont rouges. Pour sélectionner le mode individuel livrable, appuyez sur le bouton « Individual » jusqu'à ce qu'individuel s'affiche à l'écran tactile central. Pour personnaliser le mode individuel, maintenez enfoncé le bouton « Individual » jusqu'à l'écran réglage du mode individuel. Vous pouvez ici régler les paramètres de performance selon votre préférence, dont les caractéristiques du moteur et du châssis. Le mode individuel permet aussi de choisir si le système d'arrêt du moteur au ralenti est actif ou non. Selon le mode qui est actif au moment de l'arrêt, le système sélectionne le mode confort ou le mode normal au démarrage suivant. Si le dernier mode actif est sport, le système sélectionne le mode normal. Si le dernier mode actif était individuel, le système se base sur le mode qui précédait le mode individuel pour sélectionner un mode au démarrage.